Quand nous les avons reçues, les larves étaient déjà sorties des œufs. Elles étaient toutes petites, toutes noires, avec trois pattes de chaque côté. Quand elle est devenue assez grande et grosse, la larve se recroqueville et se fixe quelque part. On dirait qu'elles sont toutes sèches. Elles ne bougent plus. Le 26 mai et le 27 mai, les petites coccinelles sont sorties de leur chrysalide. Elles restent d'abord immobiles, puis elles commencent à se promener. Il y en a des rouges et des noirs avec des taches rouges. On adore manger des pucerons!